Nouvelle vidéo sur Withering Wave, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur les invocations de Yinlin et puis voilà, j'ai quelques invocations comme vous pouvez le voir. On va essayer de la dropper assez rapidement et on va essayer de dropper justement son arme. Au niveau des personnages SR, je suis en train de voir, les personnages SR m'intéressent pas donc ce serait bien que je drop des personnages qui ne sont pas justement parmi ces personnages. Et puis voilà, donc en sachant que j'ai déjà fait 3 pity, en fonction justement si je la drop directement et tout, je pense que j'allais peut-être chercher son arme. Si je la drop pas directement, ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher son arme. On verra bien, là actuellement je suis en 50-50 et puis c'est parti. En sachant que sur justement, Jian, j'avais perdu mon 50-50, donc j'espère que je vais être un peu plus chanceux sur ce personnage. Donc je suis à la quatrième multi, hop, c'est parti. Et on peut voir que j'ai pas mal d'invocations, j'ai d'autres, j'ai aussi des cristaux et tout, ok. Ok, pour l'instant on commence avec un 4 star, hein, un SR, on verra bien. Et j'espère que ça va pas être un personnage du portail. Il y en a qu'un seul qui m'intéresse, c'est justement celui avec le chapeau. J'ai plus son nom. Ok, donc, le voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, la limite que je veux tout le temps avoir sur le portail, pourquoi pas. Il peut être intéressant. Yang Wu, ok, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va continuer, autre multi, et c'est peut-être la pity, du coup. Attention. Et non, c'est pas la pity. J'ai jamais drop hors pity, hein, vraiment. J'ai l'impression d'avoir jamais droppé hors pity. Ça veut jamais tomber. Ok. Ça, non. Ok. L'épée. Ok, ouais, pourquoi pas. Vas-y, je reprends. Nickel, hein, donnez-moi autant de personnages comme ça. Moi, je prends. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Et on a encore les invocations. Ça part très vite quand même, hein, quand on y pense, le nombre de temps que tu mets à farmer ça. Sixième multi, ça drop pas. On va faire vraiment une pity. Ok. Amplificateur de nuit. Allez, tu me redroppes le personnage SR. Ok, Bayzi, je prends. Bayzi, elle fait pas partie du portail, je prends. Volontiers. Voilà. Ensuite, c'est reparti. Hein. Et septième multi. Septième multi, donc je fais une art de pity, je crois. Je crois que ça, on se rapproche de la art de pity. Et du coup, on drop. Ok. On drop. Allez, maintenant, faut voir qui c'est. Allez, s'il te plaît, faites que ça soit elle. Ah, c'est Calcharo. C'est Calcharo. Bon, j'ai sa constellation 1, pourquoi pas. Elle va super bien combattre avec lui. Mais le truc, c'est que... ça, en fait, je me suis fait... j'ai perdu deux fois mes 50-50 sur ce genre de portail. Et le problème, c'est ce genre de ressources, on n'en a pas illimité, quoi. Et du coup, là, c'est un peu la galère. C'est vraiment la galère, là. Là, le jeu, il m'aide pas. Et en plus, je perds tous mes 50-50, c'est terrible. Et en plus, je fais que des pitis. j'ai mal. Ok. C'est Alto, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mortefi, ça je prends. Mortefi qui vient de pop comme ça. Donc ça ne fait... C'est sa sixième constellation, je crois que je le max. Du coup, je prends volontiers Mortefi. Ok, vous inquiétez pas, hein, j'ai encore des cristaux derrière. Ah mais ça saoule quand même de faire deux pitiés. Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je crois que je vais pas pull sur son arme. Parce que là, ça va être compliqué. Sinon, ça va être compliqué. Ok. Taoki, c'est ça? Oui, Taoki. Ok, tac. Et là, on va commencer à piocher. Là où ça ne fait pas plaisir. Hop. Allez. Aïe, je sais plus à combien je suis, 3ème, 4ème, je ne compte même plus, c'est terrible. Ok, Sanoa, je prends. Sanoa, justement, je la monte. 2ème SR, oh, par contre ça régale au niveau des SR, on prend. Donc lui il monte, nickel. Ah et j'ai eu un 3ème SR, oh ça régale. Bah bordel. Très bien.
très bien. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont reset la boutique, le fait qu'on... Ouais, non, ils ont pas touché à ça. Si jamais... 36, ouais, j'ai de quoi faire. Je sais pas si je... En vrai, je pense que moi, mon objectif, ça va pas être de chercher les doublons de personnages. Je préfère à la limite... avoir plus d'invocations. Parce que moi, je veux un personnage, mais pas un doublon. Moi, je voudrais avoir à chaque fois un personnage. Je chercherai pas les doublons. Ok, bon, on continue. Ça commence à piquer quand même, hein. Ça commence à piquer quand même, hein. Ok, violet. Ouais, de toute façon, après, dès qu'on aura le doré, c'est sûr que c'est elle. Ok, arme commando, je prends. C'est une très bonne arme pour justement le... Alors, je sais plus ça, c'est... Denjin, je crois que c'est ça, ouais. Ok, et je suis à combien, là? Ça descend tellement vite. On va tenter une multi sur l'arme après, mais on n'ira pas plus loin. Si je drop l'arme, tant mieux. Si je drop pas l'arme... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait tellement shaft... Que je me dis que là, dans la prochaine multi, j'ai de la chance. Et j'invoque l'arme et j'ai l'arme. Vas-y, on tente. Là, on se dit, là, on invoque l'arme, on a l'arme. Parce que je sais que j'ai le personnage après, dans tous les cas. Parce que je vais... Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai la grid. La grid, la grid. Là, je me dis que je peux peut-être transférer la chance, mais non. Ok. Jissia, ok, sur le portail d'armes. Très bien. Après, il nous reste combien? De toute façon, je vais être à la pitié. Allez, je fais une deuxième là. Et j'arrête. Et après, j'arrête sur l'arme. Je fais une deuxième, si je l'ai pas, j'arrête. Allez, s'il te plaît, doré. Ah, pas de doré. C'est terrible. Le jeu ne veut pas me donner de doré. Je me fais shaft. Une nouvelle arme. SR, on prend. Une nouvelle arme. Ok, bon, on va continuer. On va pas aller plus loin sur l'arme. On attendra pour un prochain personnage qui m'intéressera. Du coup... Hop. Aïe, aïe, aïe. Et ça, elle veut pas tomber, hein. C'est à la pitié, hein. Et du coup, les invocations ont décidé que je ne drop pas l'arme. Très bien. Voilà. Là, on arrive, je pense, sur la fin. On va commencer à faire des singles. J'ai pas compté. C'est terrible. J'ai pas regardé. D'ailleurs, attendez, parce que je fais des singles, mais est-ce que 10 tentatives conviées vous permet d'obtenir au moins une arme ou un personnage 4 étoiles? Ouais, c'est obligé de faire un... Ok, Maybad, vas-y, on fait une multi. On fait une multi. Et mais ça drop là, je pense. Ouais, ça drop ici. J'aurais peut-être pas dû pousser un petit peu... Enfin, j'aurais dû m'arrêter. Ok, donc... on l'a forcément. Ok, Bayzy, je prends. Petite constellation de Bayzy. Ouais. Et du coup, voici Yinlin. Voilà, magnifique. Magnifique. Voilà par rapport aux invocations. Ça pique réellement. C'est 2 pity et perdre 2,50-50. Non, 4 pity j'ai fait au total. Perdre 2,50-50. J'avoue que le jeu m'a pas du tout gâté là. Il m'a pas du tout gâté, en sachant que j'ai fait que des pity sur la bannière débutante, j'ai fait une pity sur la bannière sélective, je suis en train de faire la pity aussi, comme vous le voyez. Je déprime, littéralement. Le perso est là, il est là. On a eu une constellation de Kalcharo, c'est vrai. On a eu pas mal de constellations. Je crois que c'est la constellation 2 qui est bien. Lorsque la compétence résonateur atteint la cible, vous récupérez 10 d'énergie résonatrice supplémentaire. L'effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Ok, bon, vas-y, on active. Tac. Elle, c'est pour monter le personnage. Sanua qui passe C5, et ça régale.
Ensuite, nous avons lui, il a dû bien monter quand même. Ouh, il passait 6. Putain, je l'ai droppé autant de fois. Eh bah bordel. Eh bah bordel, il va envoyer lui. Tac. Taoki, on l'a droppé 2 fois. Et c'est là où vous voyez que j'ai tellement invoqué sur le jeu. J'ai tellement invoqué pour rien avoir. Enfin, pour rien avoir. J'ai eu les persos, mais j'ai tout perdu en fait. Et là, on peut voir que bah, au niveau des constellations, ça se voit que j'ai beaucoup pull, quoi. J'ai beaucoup invoqué. Hop. Elle passe ses 6, elle. C'est terrible. Ok. Et attendez, il y a Baizy aussi. Baizy qui passe C5. Ok. Et Sanwa qui, bah, du coup, ne passe pas en constellation. Par contre, c'est Mortefi qui passe C6. Voilà. On est plutôt bien. Au niveau de Mortefi. Donc en vrai, lui va être intéressant à jouer. Sanwa, bon, bah, de toute façon, je la joue déjà. Lui va être intéressant pour la team Electro. Vraiment pour faire de bons dégâts et tout. Après, il y a elle aussi, mais bon, ouais, bon, voilà quoi. Ok, bon, bah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Bon, j'aurais plus qu'à passer justement level 60. Enfin, level 60, je suis un peu énervé. Level justement 40. Il ne reste plus beaucoup là. Donc là déjà je vais passer level 39 et je pense qu'aujourd'hui je fais plein de trucs d'exploration. Je vais faire tout plein de trucs pour essayer justement de monter level 39. Et à côté je vais pouvoir monter justement Yinlin. Elle est où Yinlin? Pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas vue? Elle est là. Elle est là, c'est terrible. Je ne l'avais pas vue. Tac. On met ça. Renforcé. Hop, voilà, level 20. Et ouais, je vais la monter tranquillement dans mon coin. Je vais l'équiper. Et on va être pas mal. On va être pas mal. Tac, tac. Renforcé. Ah, ça me coûtait cher tout ça. Hein. Ouais, et du coup, j'ai déjà farmé justement les ressources qu'il fallait. À part les champis. Malheureusement, j'ai pas farmé ça assez. J'avais oublié de farmer ça. Bon, en même temps, je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait farmer. Bon, en tout cas, j'ai pu déjà avancer. Là, j'ai déjà de l'avancement. Je vais apprendre les champis. Je peux même aller voir le vendeur si j'ai pas envie justement d'aller farmer. Parce que je sais qu'il y a un vendeur ici. Il est pas trop loin. Il est. Bah, il est pas du tout là d'ailleurs. Il est par là. Ouais, en dessous. Hop. Et bon, je sais pas si c'est conseillé de faire ça. Mais c'est une méthode qui permet justement d'éviter d'aller farmer. Bon, à éviter parce qu'en soi ça fait dépenser du coup des silver. 24 000 silver, bon. C'est pas donné quand même. C'est pas donné. Et tac, elle est là. Hop, renforcée. 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 Là je mets XP violette. Et voilà, bon, ça va être un peu galère quand je vais passer level 40, je vais manquer d'XP, il va vraiment falloir que je ferme tout ça. Et ok, j'ai une fois le boss à faire, ok, j'ai des petits objectifs, là j'ai l'endurance à utiliser. Ok, bon bah voilà, nickel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, c'était les invocations sur le personnage, donc on n'ira pas chercher son arme, malheureusement j'ai pas été très chanceux. Ça va être compliqué pour les prochains personnages. Vraiment, ça va être très compliqué au niveau des prochains personnages. J'avoue que là, j'ai un petit peu le seum. Ça va, j'ai jusqu'au 28 juin pour économiser. Je pense qu'on a jusqu'au 28 juin pour justement avoir le prochain portail. En sachant que le 28 juin, je vais avoir des... On a 20 jours à peu près, donc j'aurai le temps de récupérer une multi. Donc 1800, 2000 cristaux grâce justement à l'abonnement au pass. Et puis voilà, plus farmer et tout, on aura la nouvelle zone aussi qui nous permettra de récupérer d'autres cristaux. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtual, allez, bye tout le monde.